Le colonel Tchouboro ne tire pas sur ceux qui jettent les cailloux, mais il tire sur un enfant. Je veux comprendre. O colonel Tchouboro o felari wonno be firde kaaje ben ko pay ku kanko fellu ko ko yumi komi yewtu mon lo ko yumi gitan den kon bon ce que pay ku tu won ana pay ko tu won ton suka fawno ton non ce que j'ai vu de mes yeux c'est ce que je vous dis c'est pas les enfants seulement qu'ils ont il y avait des jeunes il y avait la foule là-bas d'accord mais il a tiré sur un enfant mais pas sur les hommes qui jetaient les cailloux c'est ça ko pay ku ofeldi kum pay ku hari ala feru de kaaje fop no wedda de kaaje tout le monde jetait les pierres d'accord. Donc l'enfant qui a reçu la balle, il tirait et il jetait un caillou, c'est ça? Pas qu'on wonno, pas qu'on fait là non, qu'on quand qu'on cadre qu'on fait le cadre. Mais non, donc à ce niveau-là, jamais. Donc là, vous ne pouvez pas faire la différence là-bas, dans la foule là-bas. Bon, d'accord. Je ne vais pas insister. Alors, est-ce que il y avait énorme la foule, elle était plus nombreuse que les gendarmes. La foule. Ene jama on harno burno gendarme be ben dudude ne. Jama on harno dudi mo jano. Oh, la foule était très nombreuse, ouais. Et le colonel prend un risque de tirer sur un enfant alors que la foule les gens étaient le nombre était immense, le nombre était grand. Alors, si vous tirez sur un enfant, normalement, vous devez vous attendre à la réaction de la foule. C'est colonel, un grand risque. Colonel kanko on battu don go tay yimbe ben no duri ko don o sorti o felli pay kunkun o est ce que sugo no sugo dun don fellu go no pay kunkun on jama don fo on no yiron nu un lon ko Allah tun andi ça c'est Dieu seulement qui connaît Allah andi ko non manori c'est lui et Dieu qui savent ce qui s'est passé là-bas. Ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de relater moi. Malheureusement, on peut pas interroger Dieu. Alors les filles qui l'a vu déshabillé, qui courait. Bon, il a déjà répondu à une des questions du ministère public qui demandait est-ce que ces filles, est-ce qu'il pensait que ces filles avaient subi le viol. Et il a répondu que, bon, il ne peut pas dire parce que c'est ce qu'il a vu. Alors, je voudrais lui poser la question. Quand il dit que ces filles étaient déshabillé, parce que c'est pour ma compréhension. Est-ce que c'est complètement, mais totalement nu? Oh, harry, quand on me humpa, ben jube, ben yoton fimo, ben wono, ben dogde, say, ben burtuno, parce que si nama burti, harry, no burta, luta, nunca, ben burtuno, hala, bi pui. Fosu be bornak. Rien. Fosu be bornak. Rien n'était sur le corps. D'accord. Donc, les militaires sont venus après, devant lui, c'est ça? Les militaires sont venus devant lui après que le portail soit ouvert, quelque temps après, c'est ça? Les bérets rouges sont venus après? Aussi, sorry, ben bérets rouges, ben baudou, non, faut ben Arnaud et Taoundema. S'ils sont venus où? Au stade. Qu'à stade? Ils sont entrés. Qu'à stade, hein? Oui. Où est le micro d'or? Ka estade min non ko woni mi yalton ko woni mi yalton ko douane. Je vous dis au stade, le corps que moi je n'ai pas vu là-bas, c'est la douane. D'accord. Lorsque effectivement il est au stade et que d'après lui le colonel dit si vous entrez on va vous rentrer chez vous sinon on va vous tuer, je crois que c'est ça, est-ce que je dis exactement ce qu'il avait dit? O koko woli don sitay ko non tigi woli nate kamu madum men wareyo wo sitay ko non colonel on woli kanko enni il a dit, c'est lui qui a dit rentrez si vous rentrez pas on va tuer tout. Bien, mais anda non ko woni dun don en français. Bon, c'est ce qu'il a dit, mais je ne sais pas ce que ça signifie en français. Ah, lui-même ne sait pas ce que ça signifie. Bon, d'accord. Alors, c'est un peu compliqué de lui poser la question si lui-même ne sait pas ce que ça signifie. Dans tous les cas, lui-même, sachant l'atmosphère qu'il y a là, le portail fermé, est-ce que lui-même ne craignait pas
que quelque chose pouvait arriver s'il entrait au stade avec. Est-ce qu'il ne craignait pas quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un risque qu'il a pris avec tous ceux qui l'accompagnaient? On entre au stade, peu importe ce qui va nous arriver, mais nous, on tient fermement à revendiquer ce que nous avons à revendiquer. O heutu gol don tay bang dambu gangal no soki sori no dadi eski dum don e arano e hakil mon son heuti do dum no wa wonde goddum wa ko dum non fo dibu don inno joni menen men haja ka yumen natu do kala ko hebi are ko wadi are wadi andi ko ja da wonde wole kamiko da wonde jama. Si vous êtes en foule avec la foule are kala ko waluma. Tout ce que vous arrive là-bas, tout ce que Dieu veut que ça arrive là-bas, ça peut arriver. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est faux. Voilà. Bien, dernière question. Il est au, à l'esplanade. Le colonel tire, d'après lui, sur un enfant. Il voit l'atmosphère. Pourquoi lui, il décide tout de même d'entrer quand même au stade? Pourquoi lui décide d'affronter, c'est vraiment qu'il a décidé d'affronter ce qui peut arriver. Il a eu le courage, il voulait vraiment, ça veut dire quoi qu'il arrive, lui était prêt à l'affrontement, parce qu'il a vu déjà un mort devant lui, il a vu l'atmosphère, mais il décide tout de même d'y aller. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est un peu responsable de ce qui lui est arrivé? Aron colonel on fait la paix qu'on est en demeure maya ma donc on donc maide en tout cas fait la paix qu'on nous virons non et bah nous non voilà lui on y est attaqué. Est-ce que nous on y darta goli na ajoni kala ko dumani donc est-ce que kuhebi on kong est-ce que on encadre on tawa kemo do wana hala wata wonding donc yewti donc yewti tike. Donc c'est pas, nous ne sommes pas dans les mêmes déclarations. Nous avons dit ça, on a redit. Ce que je reconnais, ce que je vois, et c'est ce que je suis en train de dire ici. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Je voudrais demander à M. Mamadou Dian Diallo comment il s'est subitement retrouvé le 28 septembre 2009 à la tribune. Quand nous sommes rentrés au stade, dès que nous sommes venus, moi je me suis dirigé vers les tribunes en haut là-bas. Je me suis promené partout là-bas en haut. Mais Arihaka, quand le fait que je suis venu à Tirta, donc je suis venu jusque là où les joueurs rentrent là. Il y a des trucs qu'ils ont fait là-bas, là où les patrons rentrent là. Quand je me suis promené tout là-bas, en ce moment les gens remontaient de gauche à droite. Le stade était plein. Je ne suis pas le seul qui est rentré là-bas. Comme un groupe nati. C'est bon, je pense que la question est répondue. Il est venu d'où pour le stade? Quand on est où donc à stade? Ko Hamdallah. Hamdallah. Il n'avait pas transité par le domicile du président Sellou Dalé Diallo. On attend au cas galle Sellou Dalé Diallo c'est où tout donc? Min kasez men ardi. Nous sommes venus au siège. Anamene wonon de nyande ka galle. C'est pas nous qui étions ce jour là dans la concession. Donc c'est du siège, vous êtes venu au stade. Ce siège, il est donc à stade. Colombien, il est venu à Rica stade. Oui, nous avons quitté là-bas pour le stade.